Afin d'aider les enfants à préciser leur sens inné du nombre, nous leur proposons une représentation concrète des quantités 1, 10, 100 et 1000. Cela nous permettra par ailleurs d'introduire le vocabulaire nécessaire à la manipulation, à la lecture et à l'écriture des grands nombres. Unité, dizaine, centaine et milliers. Nous disons à l'enfant, combien y a-t-il de perles ? Une ? Alors cela s'appelle unité. Unité, parce qu'il y en a une perle. Unité. Tu veux la prendre dans ta main? Sans la nommer immédiatement, nous l'invitons à dénombrer la dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Alors ça s'appelle dizaine. Dizaine. Parce qu'il y en a 10. Sans la nommer immédiatement, invitez ensuite l'enfant à dénombrer la centaine. À ce stade, pour y parvenir, la plupart des enfants auront besoin de notre aide. Vas-y, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Donc ça s'appelle centaine. Oui. D'accord ? C'est une centaine. Et ça, dedans, il y en a 1000. Alors ça s'appelle milliers. Milliers. Tu veux le prendre dans tes mains ? Oui, nous aidons l'enfant à fixer ce nouveau vocabulaire par l'intermédiaire d'une leçon en trois temps. Unité. Unité. Oups. Eh oui, t'as mouillé la table alors ça recommence. Unité. Unité. Dizaine. Dizaine. Unité. Unité. Dizaine. Dizaine. Centaine. Centaine. Dizaine. Dizaine. Centaine. Centaine. Millier. Millier. Centaine. Centaine. Millier. Millier. Tu peux montrer la dizaine. Tu peux montrer la centaine. Tu peux montrer l'unité. Et tu peux montrer le millier ? Il est gros, ce millier. C'est quoi ça ? Centaine. Dizaine. Unité. Dizaine. Centaine.